Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon astuce pour faire la French. En fait, ce que je fais moi depuis peu, hein, parce qu'avant j'utilisais comme tout le monde le pinceau et je galérais, j'étais tout le temps en train de rattraper la ligne de ma French. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai acheté un liner de chez Pédissage qui m'a coûté quelques euros. Je pense qu'aussi sur eBay, vous pouvez vous en sortir pour vraiment pas cher en achetant un liner. Ce que je fais en fait, c'est que, donc là j'ai mis ma base, hein. Je mets un petit peu de blanc à French sur le rebord de ma petite plaque en métal que j'ai choisie parce que je peux la nettoyer. Oula, eh ben, bravo. J'en mets de partout, donc voilà. Je prends mon petit pinceau et après un petit jeu d'enfant. Hop. Je suis la ligne de mon ongle. Donc là, mon blanc, il est un peu pâteux. Hop. Il est temps que je le change, hein. Et voilà, vous avez une French qui est toute droite. Hop, voilà. On rattrape les petites arêtes. On nettoie les cuticules. Hop. Voilà. Et après, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc par-dessus, hein, ma. Voilà. Comment ça s'appelle? Mon vernis à French qui fait un peu rosé, que je trouve qu'il fait très naturel. J'ai pas l'impression d'avoir un truc rose fluo sur les ongles parce que ça, enfin, je trouve ça vraiment pas très beau. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je l'espère, abonnez-vous si vous avez aimé. Voilà, merci beaucoup.